Okay, good morning. Thanks for coming. So I'm going to talk to you about deploying Python microservices with Kubernetes. Okay, so first slide, blah, blah, MicroBright, blah, blah, Grenoble, Docker, Python. The important thing to take away is that I manage Docker and Python meetup groups in Grenoble. So if you're ever around Grenoble, feel free to pass, or if you want to present, even better. I forgot to check. I was assuming I was going to speak in French. Does anyone actually need me to present in English? It's as you wish. Je suis en français, alors. Très bien. Si vous supportez l'accent, je ne sais pas. OK. Donc, voilà. Si vous vous sentez faire des prises dans le Python User Group de Grenoble, c'est l'important, n'hésitez pas. Parce que franchement, ils ne le disent pas, mais ils en ont marre que je fasse mes bêta prises pour les camps. J'abuse un peu. OK. Donc, voilà de quoi je vais parler. Un petit peu la justification des microservices. Ce que moi, je vois comme les design pattern de microservices aussi, Kubernetes et puis les opérations sur Kubernetes et une démo. Okay. Donc en commençant sur les microservices, un peu la raison d'être des microservices. Alors d'abord historiquement, l'histoire des microservices, c'est un peu, on est sur un continuum. On est passé depuis les déploiements en monolithe sur du bare metal, puis les virtual machines, puis est arrivé le cloud en différentes formes, le IaaS, le PaaS, le SaaS, etc. Puis les containers, et puis on arrive à des fonctionnalités encore, ou les paradigmes encore plus légers, plus agiles. Donc je pense notamment à microservices et à serverless. J'ai tendance à confondre un peu les deux dans ma tête parce que je le vois tellement comme cette dernière niveau de légèreté, d'agilité qu'on va avoir. Et donc, c'est là qu'on est dans les microservices et le but, c'est surtout d'avoir des applications qui scale à des tailles vraiment énormes qu'on n'a pas connues par le passé. Okay. Néanmoins, le futur est hybride. Ce n'est pas microservice ou serverless qui va tout remplacer. Ça va être une question d'évolution petit par petit, mais aussi les serveurs, les virtual machines, on en a toujours besoin. Ça se fait toujours en combinaison des différentes choses. OK, donc monolithe microservice, donc de quoi on parle? Donc par le passé, on avait tendance à avoir des gros monolithes. Ou en tout cas en termes de packaging, et quand on voulait scaler, c'était une question d'avoir, bon, allez, on met un deuxième serveur, un troisième, un quatrième, bon, plus évolué, on allait vers des architectures N-tier, et c'était toujours assez monolithique dans l'approche. Donc l'approche microservice, c'est vraiment de découper des morceaux dans les fonctionnalités bien ciblées pour qu'on puisse scaler exactement où il faut scaler. Donc, par exemple, typiquement dans une architecture N-tier, on aura peut-être une base de données, les web servers, load balancer, et bah, typiquement, ça va être les web servers qu'on veut augmenter en nombre à fur et à mesure que les demandes du réseau viennent. Donc, quels sont les avantages des microservices? Donc, la première chose, c'est une séparation de concerns, c'est-à-dire chaque microservice a une fonction qui marche très bien. Et donc, c'est vraiment focalisé sur une fonctionnalité. Donc, typiquement, ça veut dire que cette fonctionnalité, c'est gérée par une petite équipe. Donc, un des principes des microservices, donc, voilà, petite équipe. Et le principe, c'est que cette fonctionnalité puisse être réécrite en 2 semaines. Donc, il y a vraiment des équipes qui pratiquent ça. Un avantage de ça, c'est surtout que, ça veut dire, en général, c'est une technologie ou peut-être un langage qu'on puisse... Moi, je ne devrais pas parler de remplacement de langage, mais n'empêche qu'on a ce choix. Microservice,
un composant de microservice, c'est vraiment quelque chose de remplaçable. Et ça, c'est l'avantage qu'on puisse avoir une implémentation d'une base de données pour une fonction spécifique. Et on peut décider, en fait, finalement, on n'a pas besoin de... Allez, je vais là, à l'extrême, on n'a pas besoin d'un Oracle, on a juste besoin d'un Redis. Quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus approprié. Donc, on a surtout la facilité de scaler l'application, c'est vraiment ça le but, et d'évoluer un déploiement. On n'a plus besoin de délivrer à tout l'ensemble de monolithes, on peut faire évoluer différentes parties de l'application globale au fur et à mesure que ça évolue. Okay. On parle de des composants qui sont couplés légèrement et donc justement c'est facile de remplacer différents éléments de composants, je passe d'une version à une autre tant qu'on respecte un contrat, et ça c'est plus moderne. Il y a des possibilités d'évolution d'une partie du service global. Et puis, bien sûr, puisqu'on a tous découpé un morceau, on a la possibilité maintenant de faire la composition de nouveaux services à partir de tous ces différents composants qu'on crée. Alors, est-ce que c'est un panacea? Non, bien sûr, il y a tout. Déjà, ça ne va pas s'appliquer partout, mais il y a surtout des désavantages aussi. Donc, notamment la complexité. En tout cas, en termes organisationnels, si avant, vous avez... on va dire une grande équipe qui créait un monolithe. Et maintenant, vous avez peut-être 5 équipes, mais chacun focalisé sur le projet. Ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs dans l'ensemble. Donc, il y a cette complexité organisationnelle qui change. Il y a le problème d'orchestration et surtout de gérer les différentes versions des composants. On peut se trouver dans une situation où une partie de service a besoin d'une version différente d'un service que notre partie. Et au fur et à mesure, il faut vraiment être capable de respecter des API contracts entre les composants. Et puis, tout ce qui est monitoring, debugging, test, ça va être forcément plus compliqué puisqu'on a tous ces disparates composants. Difficulté peut être autour de la communication réseau, parce que la communication entre ces composants, c'est pas le réseau que ça se passe, donc du coup, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver. Ça peut être une simple question de gestion d'erreur, de performance, et puis il y a la notion de circuit breaker, où maintenant il va falloir détecter quand il y a des problèmes, peut-être isoler une partie d'un système qui crée des problèmes. Donc il y a encore plus de complexité. Et puis, ça demande toujours des best practices, même encore plus, j'ai mentionné plusieurs fois, le besoin de respecter des contrats, des API. Et donc, on va faire ça avec les bonnes pratiques de test, et continuous integration deployment. La documentation des interfaces, les API, est une bonne pratique, c'est pas écrit, mais c'est qu'entre ces composants, il faut utiliser les mêmes API publics. Il ne faut pas avoir des API internes avec les mêmes fonctionnalités que ceux qu'on va exposer à l'extérieur. Sinon, ça devient vite difficile à gérer. OK. Si on regarde les design patterns, je vois ça en deux groupes. Le premier, je ne vais même pas en parler particulièrement. Donc, il y a tous les standard design patterns qui sont connus par rapport à la programmation dans un langage. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a les microservices eux-mêmes qui sont quand même une déclinaison des service-oriented architecture de façon beaucoup plus fine, les web services. Il y a ce qu'on appelle le strangler design pattern. Strangler, tout simplement, veut dire que vous n'allez pas. Enfin, si vous pouvez faire un greenfield deployment, démarrer des microservices
de rien, bah, tant mieux. Mais en général, voilà, on va faire une évolution depuis des legacies qui existent. Et la notion de strangler, c'est en fait de faire cette évolution de façon très progressive. Donc, remplacer une fonctionnalité par des microservices externes, et puis une autre, et puis une autre. Et l'idée, c'est que finalement, tu as une toute petite partie du monolithe qui reste étranglée par tous ces nouveaux microservices. Donc, c'est juste un terme pour exprimer cette évolution progressive. Mais je vais parler plutôt de ces trois autres, ce que moi je vois comme design pattern important. Et donc, on va voir sur les slides suivants. Donc, le premier, c'est l'API Gateway. En gros, c'est d'avoir une front-end à votre réseau. Ça peut combiner différentes fonctionnalités. Il y a de firewall, de load balancer, de reverse proxy, notamment. Ce qui est important, c'est que ça offload, ça enlève certaines responsabilités des microservices. Parce que peut-être avoir une tendance que en fait, tout microservice, bah, j'ai besoin de, disons, d'encryption TLS ou fonctionnalité circuit breaker, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut mettre dans l'API Gateway. j'ai dit quelque chose. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut mettre dans ce breakway, ce gateway pour concentrer ces fonctions-là. Ok. Et donc ce gateway peut faire des choses comme du translation de protocole, de décapsulation de TLS ou donc de reverse proxy. Et en général, il va cacher donc les détails de votre infrastructure. Il donne juste le point d'accès, peut-être un nom de host, un route, etc., qui va diriger vers les services internes. Donc, comme je dis, ça cache l'empreinte interne, c'est pas ça qu'on veut exposer. Et bien sûr, on veut contrôler l'accès à nos systèmes. Et ça, bien sûr, il faut que ça scale, il faut que ça soit achat, donc hautement disponible. Un autre pattern similaire, on commence à voir vraiment prendre de l'élan, c'est le service mesh. Donc, surtout dans le domaine Kubernetes, on voit qu'il y a des projets, alors, je dirais les plus connus sont Linkerd, qui viennent de passer en version 2.0, et Istio. Donc Istio notamment, ça a été beaucoup développé par Lyft, IBM et Google. Et de la même façon que l'API Gateway fait de l'offload, ça met des choses à un endroit bien en particulier, ça fait du offload par rapport à l'implémentation des microservices. Le service mesh fait la même chose, mais c'est plutôt à l'intérieur, du coup c'est une couche réseau qui fournit des fonctionnalités particulières. Bon, désolé, l'image n'est pas très visible. Et donc, des systèmes comme Istio, en fait, ils vont fournir des fonctionnalités encore d'encryption, décryption TLS, c'est-à-dire, en fait, dans un contexte Kubernetes, on a des pods qui tournent les containers, et donc avec déploiement de genre Istio, on a ce qu'on appelle un sidecar container, donc c'est dans le même pod, et c'est lui qui va prendre en charge ses fonctionnalités en plus du genre encryption, decryption, tracing, logging et compagnie. Et donc ça simplifie encore le microservice. On n'a pas besoin de s'occuper des fonctionnalités-là. Ou circuit breaker, c'est notre exemple. Et notre design pattern, je dirais, c'est enfin, tout ce qui est hybride. Bon, j'ai pris l'exemple de Glue, un projet d'une boîte Solo.io, qui, donc, ils ont un projet qui s'appelle Squash, qui est pas mal pour débugger les microservices. Mais Glue, je trouve assez intéressant. En gros, c'est une API gateway, mais qui facilite l'interaction avec des legacy. Et donc, il va
essentiellement fait un reverse proxy devant des applications monolithes, des microservices, du serverless, et du coup, il fait du routage en fonction de la requête qui arrive, mais il arrive surtout à augmenter la fonctionnalité de monolithe. Donc il y a un démo, il y a une vidéo démo dans les, comment ça s'appelle, à la fin de DockerCon, le dernier DockerCon, les cool hacks. Il y a Edith Levine de Solo.io qui démontre Glue. Donc elle montre, disons, un legacy application, c'est une pet store, il me semble, c'est un truc classique. Et elle montre comment elle peut ajouter, il me semble c'est du serverless, qui rajoute la fonctionnalité, cette monolithe. Donc, côté utilisateur, on a l'impression que le monolithe application a évolué. Mais non, en fait, on a juste rajouté une fonctionnalité à côté qui donne qu'il y a des nouveaux menus, nouvelles fonctionnalités, etc. Ça, c'est un aspect d'hybride. Donc, c'est vraiment d'interopérer avec ce qui est legacy. Pas forcément, peut-être remplacer progressivement comme Strangler ou pas. Mais il y a toujours la place pour les différentes formes de déploiement. De même, il peut y avoir hybride dans le sens de on-premise ou dans le cloud. Il n'y aura pas une solution. OK. Du coup, Kubernetes, on a besoin d'orchestration et bien que Apache Mesos et d'autres swarms, ils ont toujours autant de valeur, c'est quand même Kubernetes qui a le vent en poupe dans le marché de l'orchestration aujourd'hui. Je vais skipper tout ça, parce que ce n'est pas une présentation de Kubernetes. Mais voilà, je préfère avoir des slides qui parlent un peu de ça. Ce slide n'est pas exactement à jour, mais représente plus ou moins ce que je veux montrer. En fait, la première fois que j'avais fait cette presse, j'avais fait justement cette démo en utilisant Minikube. Donc Minikube, en gros, c'est juste à tourner Kubernetes en single node dans un virtual machine, où il y a aussi d'autres formes. Et ce que j'avais démontré, donc, c'était juste un simple service, vraiment simple. Donc en utilisant Redis comme un back-end base de données, en utilisant une application Flask, il n'y a pas plus simple, et avec ensuite load balancer et ingress devant. Je ne vais pas montrer tout ça parce que j'ai la notion de service plutôt au lieu de load balancer, mais je n'ai pas d'ingress. En fait, il y a deux choses que j'aurais vraiment aimé rajouter à ce démo pour aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas, c'est de rendre ce base de données Redis hautement disponible. Et l'autre, c'est de rajouter l'ingress. Mais voilà, je ne lis pas aujourd'hui, ça viendra. Donc l'application, en gros, Redis, c'est une base de données. Je vais juste avoir une application Flask qui va utiliser Redis comme un compteur, rien de plus. Mais c'est un moyen de voir les opérations Kubernetes, voir microservices in action. OK. Je vais juste montrer quelques slides et puis je vais passer à l'acte, parce que c'est plutôt le démo que je veux montrer. Donc, je ne sais pas si vous avez des notions de Kubernetes. En gros, quand on démarre les containers, donc Kubernetes, alors déjà, en bas, on a la notion de pod. Donc, les containers sont groupés dans un pod. Un pod, c'est typiquement un container, c'est-à-dire une fonctionnalité. Et s'il y a un deuxième, troisième container, c'est que ça fournit une fonctionnalité en soutien du container principal. Donc, un exemple, là c'est Redis, donc on peut avoir un container Redis. Imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons on avait une fonctionnalité de logging, de tracing ou quelque chose qu'on voulait rajouter à notre Redis, mais qui est toujours très associé à notre deployment Redis, donc ça serait un deuxième container. Okay. Mais c'est juste, je dis ça juste pour expliquer, voilà, quand je parle de pod,
Donc vous pouvez considérer que c'est un container, c'est tout. On a la notion de replica set. Donc en fait, on va vouloir scaler, pas dans le cas de Redis, mais dans le cas de Flask, on verra qu'on va scaler ça à plusieurs instances. Et c'est la replica set qui, pour une version donnée, d'un container image, va scaler l'application. Et au-dessus, il y a la notion de deployment. Donc un deployment gère un ou plusieurs replica sets. C'est-à-dire, le deployment, il a la notion de quelle est la version actuelle du deployment qu'on veut faire. Et on verra que quand on fait un rolling upgrade d'une version d'un service à un autre, le deployment, il gère plusieurs replica sets. Donc je vais utiliser une commande tout à l'heure, kubectl create ou apply, c'est un détail, en prenant un fichier YAML comme exemple. Et ça va nous créer donc notre déploiement à Redis. Donc très rapide, hein, je vais passer à l'acte. Donc ça c'est le YAML tel qu'il existe pour faire le déploiement de Redis. Donc Kubernetes. Ce qu'il faut retenir, c'est juste, voilà, on voit en bas le container port 6379, c'est classique pour Redis. On prend une image à Redis latest, je l'ai déjà tiré depuis le Docker Hub. Voilà, et j'ai mis replicas 1. En fait, on va tourner qu'une seule Redis. C'est pas terrible. Il y a des moyens de tourner à Redis en achat, mais il faut plus que simplement augmenter le nombre de réplicas. Il faut les gérer autrement. En fait, c'est via un outil qui s'appelle Helm que j'aurais fait ça. OK. Je vais aussi déployer mon application Flask. Donc, je vais en fait le déployer nécessairement avec une seule réplica. Pas deux comme ici. Et je vais les déployer dans une version 1. Donc, en gros, je vais déployer ces deux choses. Je vais déployer des services qui permettent l'accès à ces services. Je vais scaler l'application Flask. On va voir ça en action. Et puis, je vais faire des rolling upgrades de la version de l'application Flask. OK. Je vais juste parler des services parce que j'ai parlé de cette notion. Alors, Kubernetes, en gros, c'est avec Kubernetes que vous allez gérer un cluster, un ensemble de nœuds qui peut être carrément un data center. Et ces pods vont tourner dans ce data center. C'est Kubernetes qui décide où, dans un environnement multinode qui est normal, il va décider où vont tourner ces pods. En gros, on va lui dire Redis, je veux un seul exemple, Flask, disons que j'en veux 3, peut-être ça va être 10 plus tard. C'est Kubernetes qui prend en charge ce placement. Donc nous, on a juste déclaré, voilà, je veux 10 des applications Flask. C'est Kubernetes qui en charge. Ça veut dire que les pods, en fait, sont éphémères. Ils ont une adresse IP, on n'a pas forcément accès au réseau sur lequel tourne un pod, et puis un pod de toute façon, c'est Kubernetes qui peut décider que bah, ce pod ne fonctionne pas, dégage ou je scale. Donc voilà, on ne veut pas adresser les pods directement de toute façon. Il y a différentes façons d'exposer en gros ce service via des endpoints. Ok. Donc, dans cet exemple, je vais faire ça avec ce qu'on appelle load balancer. Dans l'occurrence, je vais utiliser Kubernetes qui tourne sur un Docker desktop, comme j'avais utilisé Minikube avant. C'est un environnement tout fait, mais sur un seul nœud. Mais je voulais juste introduire la notion de service pour nous donner un point d'entrée pour attaquer notre service. OK.
Donc, je vais faire la démo à partir d'ici. En fait, j'ai une visualisation que j'avais créée pour montrer un cluster Kubernetes. Donc, hier dans le tutoriel, peut-être à peu près la seule chose qui a marché d'ailleurs, j'ai montré un cluster Kubernetes dans Azure, le managed Kubernetes avec 10 nœuds. Ici, Docker for Desktop, donc j'ai un seul nœud. Et pour l'instant, dans le namespace default, il n'y a rien qui tourne. Si je regarde Kube System, on voit carrément les composants du système Kubernetes même. Okay. Mais je dis ça juste pour expliquer ce qu'on est en train de voir. Donc, je vais commencer par... créer mon déploiement en Redis. Et on va voir l'apparition d'un pod, c'est ça qui était rouge. On voit trois choses ici. Donc on voit le deployment, ok. Alors on voit 1/1, en gros ça veut dire que l'état désiré, c'est qu'on a une seule instance, une seule réplica de Redis qu'on avait spécifié dans le fichier YAML. Et l'état actuel, c'est qu'il y a un qui tourne tout ben. À côté, il y a une étoile Redis. Qui est le replica set, qui sait que lui, il va tourner une seule instance. Et puis à droite, c'est un pod, donc notre Redis. Mais pour l'instant, il n'est pas disponible. J'ai un client Redis. Enfin, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas le, il n'y a pas de service pour le moment, c'est normal. Ensuite, je vais créer mon déploiement Flask. Donc, de la même façon, on va voir qu'on a un deployment. Bon, c'est pas tout aligné, malheureusement. Un deployment, un replica set, et tout à droite, c'est le pod de notre application Flask. Okay. Mais pour l'instant, toujours. On n'a pas de moyen d'accéder à ce container. En fait, si je pourrais me loguer dans le Docker for Desktop, dans le VMM, je pourrais accéder au container. Et là, je suis à l'extérieur. OK. Donc, je vais déployer le service Redis. Alors là, en fait, on ne va pas accéder directement. Si, avec le script que je viens de vous montrer. Maintenant, je peux faire un ping au Redis. En fait, il a récupéré le numéro de port ici, 32.509. Et j'ai un client Redis qui fait juste un ping. Et je fais faire un get. En fait, c'est un get sur un objet count qui n'existe pas encore. C'est notre application Flask qui va nous retourner ça. Donc, on a exposé notre service. Je n'avais pas besoin de l'exposer à l'extérieur, mais bon, c'est utile pour pouvoir tester avec le client. J'avais besoin de l'exposer, par contre, pour que notre Flask app sache se connecter là-dessus. Okay. Donc, lui, il va se connecter à un service qui s'appelle Redis. OK. Et donc maintenant, je vais créer ma service Flask. Et donc, on a deux services. On voit qu'on a un là, donc Flask App. Et donc, maintenant, je peux commencer à accéder à ma service. Alors, j'ai un petit bug avec mon outil. Ah oui, ça aussi, pas terrible. si je suis vite. Non, je ne suis pas assez vite. Bon, je ne suis pas expert en JavaScript, donc... Attends. C'est l'équivalent d'un reboot dans Windows. OK. OK. Malheureusement, j'ai eu une régression. Donc, normalement, j'ai un button get qui me permet d'accéder au service, mais voilà, problème JavaScript, ça ne marche plus. Mais j'ai un lien qui me permet d'accéder au service, donc je vais l'ouvrir à lui.
View. Ah voilà, ok. Excuse-moi, trop de fenêtres. Et donc là, c'est notre service. Ah. Ok, donc tout simple, un compteur Redis qu'on voit qui augmente avec chaque requête. Et si je retourne ici, avec mon client Redis, si je fais le get maintenant, on devrait recevoir la même valeur. C'était quoi? C'était 9, ok. Ok, rien d'extraordinaire. Donc voilà, tout fonctionne. Et ce qui nous retourne, notre application Flask, d'ailleurs, excusez-moi, je ne vous ai pas montré l'application. C'est vraiment tout bête. Ah oui, ça c'est pas le version qu'on tourne. Ok, on est sur le version 1 de cette application. Vous êtes d'accord, en plus simple, n'existe pas. Mais il y a quand même un PyCon, il faut que je montre quelques lignes de Python quand même. Donc on voit, effectivement, on a une route slash. Chaque fois qu'on arrive sur cette route, on va accéder au compte count. Ah oui, il y a l'increment du count juste avant. Donc c'est le Flask app qui a créé cet objet qui n'existait pas avant. Et à chaque requête, ça augmente. Donc ça, c'est la version 1 de l'application. J'ai une version 2, pas beaucoup plus sophistiquée. En fait, il fait juste une détection du user agent. Il voit que c'est du curl, du links ou du wget. Il va faire le même genre de sortie. Sinon, s'il voit que c'est un browser web, il va retourner du HTML. Okay. Sinon, c'est exactement la même fonctionnalité. Sauf que je m'étais trompé. En fait, ce que je veux faire d'abord, maintenant, je veux scaler, avoir 4 versions de mon application Flask. Ce que j'avais pas dit, c'est juste dans la sortie, donc on voit le Redis counter, mais ce qui est vent, c'est en gros le host name du pod qui sert à la requête. Donc quand on, là, si je répète, contrairement, c'est toujours le même pod, parce qu'on n'a qu'une seule pod Flask app qui nous répond. Maintenant, je vais faire Flask deployment. Et donc, j'ai une version déjà faite avec 4 réplicas. OK. Je vais le déployer. Et juste pour montrer, si je fais un diff par rapport au premier fichier, voilà, c'est vraiment juste l'entrée replicas qui rend extraordinaire. Et tout de suite, donc on voit qu'on a donc 4 pods maintenant. C'est tout ce qui a changé. On voit le deployment et le replica set en haut qui dit que le desired state, c'est 4 pods. Du coup, maintenant, je vais passer dans la version 2. Et donc, on voit pendant une certaine période, il y a des nouvelles qui arrivent, des versions 2. Il y a toujours les versions 1 qui tournent. Et là, il n'y a plus que les versions 2 en termes des pods. Si j'avais été rapide, j'aurais pu faire des requêtes et on aurait vu un mélange de nouveaux, d'anciens versions de l'appli. Ça dépend du upgrade stratégie qu'on a mise en place, en fait. Et je crois que celle-là s'appelle RAMP, quelque chose comme ça, standard. Il y a différentes façons de faire les rolling upgrade stratégie. On peut dire qu'on arrête l'ancien, on arrête tous les pods et puis on démarre les nouveaux. Ça me semble pas terrible pour la continuité de service, mais ça existe. Une autre façon de faire, c'est de ramper démarrer tous les nouveaux services. Une fois qu'ils sont tous actifs, on arrête les anciens et on switch vers les nouveaux. Ça, c'est du blue green. Et à d'autres formes, un peu plus mitigées, où on peut faire du canary testing, peut-être basé sur un utilisateur, une source de requête qui va diriger vers l'ancien, vers le nouveau, etc. OK. Et si on retourne à l'appli, amazing.
OK, donc on a juste du HTML qui est retourné au lieu du plain texte. De la même façon, passe la version suivante. Je ne sais pas quelle couleur horrible j'avais choisi. Ah, peut-être on peut avoir les deux. Là, il y avait une 16. Ah, voilà, c'est le nouveau. Est-ce qu'il y a... Ouais, OK. Il y avait quand même version 2 qui traînait. Donc voilà, on voit comment on peut facilement faire les rolling upgrades des services. On pourrait aussi, on peut, je vais le faire plutôt que dire qu'on peut le faire, on peut du coup aussi facilement retourner sur une ancienne version d'un service. Donc je retourne sur la version 2. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, on a toujours un seul déploiement là-haut qui nous dit qu'on a 4 place gap sur les 4 qu'on cherchait à voir. Mais à côté, il y a 3 replica sets. Donc il y en a 2 que j'ai grisés parce qu'on n'utilise plus. En gros, on a la version 2 qui est actuelle. Donc il y a 4 répliques qu'on veut. Et les deux autres, la version 1 et la version 3, on dit que voilà, ça ne tourne plus. Mais ils sont toujours là. Et ils sont toujours là pour que le deployment, lui, il puisse revenir en arrière si besoin. Et c'est là que normalement on mettra des health checks. Donc il y a deux façons de contrôler les pods. Quand on les démarre dans Kubernetes, on peut détecter le. Il y a un health check qui est que voilà, le pod est devenu actif, très bien. Et il y a le readiness qui est une étape plus loin, qui va, OK, c'est démarré, mais on arrive quand même à faire une requête aussi. C'est quand même important que les composants de l'application sont en état de marche. OK, ce qui... Ah oui, je vais faire... Juste comme exemple, retiens que la version 2 là, d'une application, ce dernier pod-là, c'est B6CDF6. Ce que je peux faire, c'est de détruire ce pod. Et on voit tout de suite qu'il est remplacé. Okay? Donc c'est le replica set qui fait bien sa fonction. En fait, c'est ailleurs dans Kubernetes qu'il y a des contrôleurs qui monitorent ça. Il y a autre chose que j'aurais pu faire, c'est tout ça marche par ce qu'on appelle les labels, les sélecteurs. Et donc il y a un couplage léger. Ce replica set, il va vérifier qu'il y a 4 place caps qui tournent. En fait, ils s'en fichent du nom, c'est qu'ils ont tous un label, une étiquette qui est app égale place cap. Si j'enlevais cette étiquette d'un de ces pods qu'il a quand même créé, il ne reconnaîtra plus et démarrerait un cinquième. D'accord. Bon, c'est juste une petite subtilité. Alors, je vais montrer ce qui est cassé avec le démo. Enfin, je veux dire, c'est le design qui est comme ça. Donc, j'ai dit au début, voilà, j'ai une Redis qui... il n'est pas hautement disponible. Je le tue et on voit qu'il est, il est tout de suite remplacé. Très bien. Le problème, bien sûr, c'est que du coup, mon appli, le compteur est retourné. Hein. Mon Redis était stateful et il n'était pas hautement disponible. Bon, j'étais court de temps, mais j'avais vu faire utiliser un outil qui s'appelle Helm. Donc, avec Kubernetes, il y a tout un écosystème énorme et parmi ça il y a un outil qui s'appelle Helm qui devient très important qui permet de déployer à partir d'une chart, donc un fichier YAML tout un ensemble d'applications donc il y a un repo GitHub déjà avec je sais pas, une cinquantaine, centaine peut-être de charts pour plein d'applications et un des exemples c'est un achat par Redis. Je l'ai déjà fait tourner sur Docker Desktop et en gros, ça te tourne
un ensemble. Je ne connais pas trop. C'est, il y a un master, une sentinelle et un client, quelque chose comme ça. Donc plus loin, je referai cet exemple en évoluant vers un Redis achat. Et l'autre chose que je ferai pour une évolution, ce serait d'intégrer de l'ingress, utiliser un Nginx ou un achat proxy ou un trafic pour qu'on puisse, au lieu d'accéder juste à l'adresse IP, parce qu'en fait, mes requêtes là, oui, on va pas voir facilement, mais ben, je suis sur le Docker for Desktop, tout se passe par le 127.0.0.1, localhost, mais j'aurais pu avoir un nom de host qui est, je sais pas, flascapredis.com, mettre ça dans mon etc.host, et avoir une ingress qui gère le fait que quand on reçoit une requête sur cette adresse, ça va vers mon flascap service. OK. Pour terminer, je vais retourner sur les slides. Je vais taper tout ça. Donc, on a vu le scaling, le rolling upgrade. Voilà. Ça, c'est les différents types de rolling upgrade que j'avais mentionné. Mais je vais vous libérer pour que moi, je puisse manger. J'ai mentionné les différents outils. Donc, notamment Helm, c'est ça que... je vais utiliser pour implémenter un achat Redis. Et notamment, comme on voit l'évolution en cours, de faire un changement dans le déploiement qui se passe plutôt facilement pour le système. Donc, en sommaire, les microservices, ils donnent d'autres possibilités pour déployer. Au lieu de déployer monolithe, maintenant on peut faire évoluer une partie d'un service indépendamment d'un autre. Et donc on a une facilité pour déployer, scaler, upgrader. J'ai démontré ça sur Kubernetes, mais bien sûr la même chose sera possible sur Docker Enterprise Edition ou Mesosphere. Et que ça facilite best-in-class technologie. Je parle là, c'est du Redis, j'aurais pu choisir que bah, finalement c'est MongoDB qui aurait été plus approprié et on aurait pu faire évoluer un service comme ça ou décider que bah, finalement j'ai une boule Python qui me fait affaire pour s'embêter avec Redis. Mais voilà, cet ensemble de composants permet donc de faire de l'échange. Et faire vraiment la technologie appropriée. Néanmoins, ça ne vient pas gratuit et ça demande surtout en production, ça demande vraiment des changements organisationnels, de gérer plusieurs petites équipes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, d'enforcer l'utilisation des best practices, c'est-à-dire que les API deviennent contractuels, que c'est bien documenté, stable, etc. Il faut voir aussi le incremental rollout de nouveaux features d'évolution comme best practice aussi. Il y a toujours des approches hybrides, de toute façon, c'est pas un microservice qui va résoudre tous les problèmes. Et que ça serait très intéressant donc d'utiliser de l'offload à la fois au niveau d'un API gateway et au niveau d'une service mesh, pour que ça simplifie l'implémentation des microservices même. On ne veut pas que chaque microservice, lui, il implémente tout ce qui est fonctionnalités, tracing, service breaker et compagnie. OK, donc j'ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, je viens de quitter HPE, plus spécifiquement, où nous, on avait un produit
OneSphere, qui est une plateforme managed Kubernetes. Alors, en termes de produits, oui. En termes d'utilisation, je ne sais pas. HPE était encore une société énorme et je ne connais pas l'intérêt d'utilisation qu'ils font. Et j'ai oublié de répéter la question qui était, est-ce que moi, j'utilise Kubernetes à l'intérieur de ma boîte? Je suis intéressé à savoir un peu comment ça vient changer le workflow du déploiement. Comment un développeur lambda et quoi est-ce que vous pouvez afficher le déploiement en ce moment? Oui. Ce que vous dites et après avec le CI. Donc j'ai à peine vous montrer les fichiers YAML que j'utilise pour faire les différentes étapes de déploiement. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme du infrastructure as code. Si je voulais juste nettoyer, par exemple, parce que je ne suis pas au bon endroit. Bon, bref, si je voulais juste défaire tout ce que j'avais fait, j'aurais fait aussi un kubectl delete avec ce même fichier YAML pour enlever tous ces composants. J'ai fait un modif, j'ai fait un apply. Enfin, donc du coup, c'est vraiment dans le modèle déclaratif. Donc ça facilite beaucoup. Les premières fois que je travaillais avec Kubernetes, j'avais tendance à faire des kubectl run. En fait, on est tout dans le mode impératif. L'utilisation de fichiers YAML change le workflow. Et encore, il y a notamment Reworks qui propose un modèle GitOps où vraiment votre déploiement se fasse à partir de repo Git. Et donc, ça va être au moment que vous faites un push de modification de déclaration de votre infrastructure. C'est là que le changement va être effectué. Donc oui, oui, ça changera de façon de faire. Oui. Ok. Yep. Ok. Donc la question, est-ce que je connais Ambassador et donc c'est une API gateway. Istio et LinkedIn sont plutôt service mesh, pas API gateway. La réponse rapide, c'est non. Je suis conscient d'Ambassador et il faut que je regarde. En fait, il y a vraiment pas mal de projets et produits dans les deux espaces, les service mesh et les API gateway. Ça m'a l'air intéressant, Ambassador comme API Gateway, mais je ne connais pas pour comparer à d'autres projets. Désolé. De la même façon, il y a différents service mesh aussi, mais je ne connais pas. Ok, s'il n'y a pas plus de questions. Merci d'avoir assisté.